Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois, on avait acheté nos bonobos. Et du coup, entre-temps, j'ai aménagé leur enclos. Donc j'ai mis toute une petite cabane là, où ils peuvent venir dormir et tout. Avec des trucs pour qu'ils puissent escalader. Ils sont contents, normalement ils ont... Ils sont, il me semble, assez heureux maintenant. Il y a juste les optimisations qu'il va falloir que j'achète, mais ça, je vais attendre d'avoir. Ah oui, ils ont besoin d'un autre adulte aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on peut pas en acheter un autre, sachant que j'ai 1000 crédits de préservation. J'ai remarqué un truc, les crédits de préservation, il y a marqué en ayant des visiteurs bien renseignés. Alors j'ai pas compris comment on les obtenait ces trucs-là, mais bon, on verra. Donc, du coup, on a dit qu'on allait voir pour acheter des bonobos. Alors non, c'est pas là, c'est ici. Claque des bonobos. Ah mince, quel enclos est sale. Ah, c'est toujours celui-là. Hein. On va appeler les soigneurs. Ah oui, il est vraiment dégueu l'enclos. L'enclos est vraiment dégueu. Alors, on a dit tac, donc ça c'est quoi? La saleté et là, ouais, bien-être faible, donc ça, toujours. Hein. Allez, les bonobos, un mâle ou une femelle? Une femelle, c'est peut-être mieux. Une femelle, c'est peut-être mieux. Elle a un peu plus de fertilité, c'est pas mal. Ça permettra de faire des petits et les revendre. Hop, adopter. Allez. Adopter, voilà. Transférer. On va les mettre ici. Voilà. Clac. Maintenant on est content. Alors j'ai remarqué un truc. Donc ils peuvent grimper. Un peu de partout ceux-là. Si je regarde ici. L'habitat, moi je veux voir les zones traversables. On voit ici où est-ce qu'ils peuvent escalader. Mon problème, moi, c'est qu'ils peuvent escalader là sur le côté. Donc là, en fait, ils peuvent descendre ici et venir s'échapper. Ça m'embête un peu. Vous voyez? Là, apparemment, ils peuvent venir ici. Donc j'espère qu'ils n'auront pas l'idée de venir ici. On verra. J'espère que non. Je sais même pas si là, ils peuvent en fait vraiment escalader sur les côtés. On verra. Si vraiment on voit qu'ils s'échappent, on essaiera de faire ça autrement. Là, j'avais idée de faire un espèce de petit bâtiment qui passe par-dessus avec là un autre enclos pour les varirous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller voir le prix des varirous. Parce que, alors lui. Ah, ça, on va les changer lui. On peut le mettre un peu plus quand même, non? Annuler. Ça s'échange combien des hippotrags? Allez, des hippotrags. Les moins chers. Allez, j'ai toujours au début hein, cette espèce de ralentissement bizarre. Les moins chers autour de 400. Ah mais c'est des dorés, oh. Ah, moi je vais le vendre disons 200. On va voir si on peut. Si là je fais ça, que lui je le mets. Il est jeune en plus. Échange. Allez, puis assez pénible quand ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, alors là, bien-être faible comme d'habitude. Ah, un combat. Ok, donc on va devoir enlever un hippotrag encore. Allez, donc on a dit 200 à peu près. 300. Ah, 200. Ouais, 275. Voilà, donc on verra si quelqu'un nous l'achète. Là, on va aller hop, enlever. Notre hippotrague.
les gnouilles commencent à être beaucoup aussi là. Donc lui. Ah non, il est au centre d'échange déjà. Eh ben c'est qui se bat alors? Pourquoi j'ai un combat d'hypotrag? Vieillesse. Ouh. Relâcher la nature. Nope. Nope. Annulé. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah donc en fait plutôt que. Ça j'ai déjà fait. Plutôt que de les relâcher à la nature, je pourrais les échanger, d'accord. Un combat dangereux. Ah non, des lions? Ouh. Aïe aïe aïe. Les lions se battent. Ah oui, oula. Oh là là. Calmos. Un animal est mort. Zut. Ah, ça doit être l'autre qui est mort de vieillesse. Alors attendez. Attendez, attendez, attendez. Alors là, il y a lui qui est le mâle alpha et lui qui est le mâle non alpha. On va garder notre mâle alpha, nous. Alors attendez, hop, on met pause. On va s'occuper de tout. L'animal mort, là, on va envoyer le vétérinaire. Voilà, clac. Et les lions. Les lions, c'est qui sont? Ils sont là. Kondo, qui est notre mâle reproducteur. Ah, il a vachement plus d'attrait, oh. 9000. Hop, même s'il n'a pas une médaille. Donc nous, lui là, on va l'envoyer au centre d'échange. Déplacer vers le centre d'échange. On va aller voir les lions. Non, c'est pas là que je voulais voir, les lions. Hop, combien ça se vend, un lion d'Afrique de l'Ouest? Ah. Qui ont 3 ans et demi, 100 médailles. Dans les 600. Bronze 700. Ok, et donc le mien. Ah, attendez, faut qu'il y aille du coup. Recherche terrain. Entre 6 et 700, ok. Grenouille Goliath, allez. Il va falloir qu'on fasse des recherches à Bonobo aussi. Alors, Grenouille Goliath, elle est là-bas. On a dû débloquer un nouveau truc là-dedans. Installation. Non. Non, je sais pas ce qu'on a débloqué du coup. Ce sera le dernier palier. Paf, paf, paf. Là. Eux, ils en sont à combien là? Je peux encore en mettre des plantes si je veux. Je pense que je vais en mettre un peu. Pour que ça. Ça fasse plus tropical un peu. Ok, et là ils sont toujours pas venus nettoyer? S'ils sont en train. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le veto qui est venu. C'est l'animal mort là? Ouais. Ah ouais, c'est dégueulasse, hein. Vraiment. Je sais pas ce qu'ils font là, les employés, mais il va falloir leur donner formation un petit peu là, qu'ils soient plus efficaces, parce que c'est un peu le bazar. Et là, il est toujours pas venu le veto, qu'est-ce qu'il fait? Petit parcours sanguinique qui était, bon, ça on s'en fout. Ok, qu'est-ce que je voulais faire moi? Je ne sais plus. Les bonobos ont dit qu'on était bon, il manquait juste ça. Ah, il commence à être limite. Ah bah oui, plus ils vont être, plus on aura besoin d'espace. Ah, ça m'embête parce que je suis un peu bloqué là. Je suis un petit peu bloqué, si je pourrais agrandir par là. Je pourrais agrandir un petit peu l'espace par là, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Bah non, en fait, il va falloir le voir maintenant. Alors on va mettre pause. Clac. On va regarder ça. Là, ça passe ici, ici, ici. Ok. Donc là, on va enlever... Non, on va quitter ça. On va enlever ça. Faire éditer. Hop. Paf. On va supprimer ces pierres là. Ça va où là? Oh, on a de la marge encore.
Hop. Celle-ci, la grosse, on peut l'enlever. Ouais, je pense. Ah, non. Du tout. Du tout, du tout. Bon, alors, on peut enlever celle-ci par contre. Clac. Voilà. Là, on va quitter, on va éditer ça. On va en enlever là. Ça. Ça fera un petit espace sympa en même temps. Hop, il y avait une qui traînait dessous, celle-ci aussi. Il faut de toute façon pas rogner sur celui de derrière. Hop, hop, hop. Quitter. Hop, là, on a déjà dû gagner un peu de place là. On va bouger cette plante parce qu'elle a rien à faire là. Hop, on va la mettre par ici. Ok. Ça. On va éditer. Touc. Alors non, absolument pas. Ah. Voilà. Ah non. Alors. X. Ok, là, il va falloir boucher ce trou là. Ouais. Alors, reconstruction, non, nature, rocher. Hop. Celle-ci, je crois qu'elle est pas mal. Il faut la tourner un peu. Hop, normalement je pense que ça ils peuvent pas l'escalader à mon avis. Normalement ils doivent pas pouvoir escalader ça. Alors, on va enlever cette pierre là. Hop. Voilà. Ok, là on va pouvoir éditer. La clôture. Bam. Ok. Je sais pas combien de mètres carrés on va gagner, mais on en gagne un peu. Ok. On est pas mal. D'ailleurs, ce là-bas, j'ai pas regardé en fait où j'en étais. Si je regarde eux par exemple, habitent à 48%. Oula! Comment ça se fait? Propreté. Ah oui, mais d'accord. C'est où? C'est là un terrain. Ouais, bah, eux, ils ont largement ce qu'il faut. Ouais, largement. Largement. En même temps, j'avais fait un truc exprès hyper grand. Bah ouais, là c'est hyper dégueulasse, ce serait bien qu'ils se dépêchent de venir nettoyer les soigneurs. Qu'est-ce qu'ils font? Soigneur en route. Il est où le soigneur? Ah ouais, il est là, ok, il est en train de le faire. C'est dommage qu'on puisse pas envoyer plusieurs soigneurs sur le même. Sur le même. Le même truc. Il va falloir ajouter peut-être un soigneur sur cette zone-là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas défini les soigneurs et tout pour cette zone, je sais plus. Peut-être. Faut que je vérifie. Ah oui, là, on avait ajouté un truc de traitement des eaux et des machins. Et d'électricité. Ok, alors les bonobos, on en est où là de l'espace? Combien on a gagné? Pas beaucoup, hein. On va vite manquer de mètres carrés si on rajoute des bonobos. Je pense qu'il va falloir rogner un peu là-dedans. Falloir taper un peu là au milieu. En même temps, ça leur fera un petit espace là, ce sera pas mal. J'aurais voulu ajouter des arbres un petit peu dans ce truc là.
continent, Afrique, biome, je sais plus. Tropical. Voilà. Hop. Alors, des plantes assez sympathiques qui peuvent être assez grandes, mais qui peuvent en même temps donner un petit cachet. Ça, c'est une plante, ça. Ok. Ça, c'est marrant. Hop. Voilà. Ça passe au travers du mur. Voilà. Cocotier, non. Figuier. Ouais, ça peut être un arbre, hein. Ça peut faire un gros arbre. Hein. Alors attention de pas faire en sorte qu'il dépasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ça c'est ça ce que j'ai mis là-bas, c'est le gros arbre que j'ai mis. Des lotus. Ah, ça, ça pourrait être pas mal dans le... dans la flotte, là. Voilà, est-ce que je vais arriver à trouver un... Voilà. Un petit truc comme ça. Hop. Sympa. Sympa, sympa. Un maglier pomme. Manglier pomme. J'ai aucune idée de... si c'est viable pour le biome. Hop. On met des arbres, c'est pas mal les singes, ça aime bien les arbres. Surpopulation, hippotrague noire. Ok. On va s'en occuper. Alors, eux. On a de l'espace, ouais, donc c'est bon. Occupation 56% des arbres. Moi, je peux en mettre encore. On va mettre celui-là qu'on voulait mettre au départ, là, le figuier machin. Par ici, là, dans ce sens-là. Il est gros celui-là. C'est pas grave, ça va faire bien, là, vers les cabanes. Avec les racines, là. Clac. Voilà. J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Avec des petites plantes comme ça, un peu au pied. Vous voyez. Tout de suite, ça fait vivant. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une espèce de liane, voilà. Comme ça, entre les deux, là. Paf. X. Ah mince, ils sont un peu trop loin. Alors on peut toujours déplacer celui-là. On peut toujours essayer de déplacer celui-là un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Ça. On le remet un peu devant. Lui, il est pas mal. Là. Clac. Ah, on a une racine qui dépasse au milieu. On va la cacher. On va la cacher. Qu'est-ce qu'on a comme petit truc là? Ça, ça fait un petit buisson. Hop. Voilà, c'est pas mal ces trucs. Ça, c'est une petite technique pour créer des petits buissons. Prendre un arbre hein, puis l'enfiler dans le sol. Voilà. Pourquoi ils sont tout le temps téléportés là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas là. Par là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, les hippotragues. Combat dangereux. Dû à la surpopulation d'hippotragues. Alors, tac tac tac, on met pause. On va aller voir nos animaux. Ah, on a un bébé cool. Un bébé bonobo. Yes. Ah ouais, tout de suite, les bébés, ils ont beaucoup d'attrait. Hein. Alors, les hippotragues. J'en ai beaucoup trop, on a dit. Alors. Tac.
Elle, ouais, elle, on va l'enlever. Elle, elle commence à se faire vieille, on va l'enlever aussi. Elle, elle est jeune, c'est bien. Elle, elle pourra se vendre. Lui, on va l'enlever. Il est déjà au centre d'échange. Ok. Ouais, il n'a pas tant que ça pour le moment, pourtant des hypotrags. Allez, deux plus, hop, les femelles là, on va toutes les enlever. Envoyer au centre d'échange. Bam, déplacer vers le centre d'échange. Ok. Donc là, notre lion, on a dit. On va l'échanger. 681, bah voilà, il me propose. Échange. C'est bien, c'était le prix à peu près que je voulais mettre, je crois. Ok. Je voulais juste aller voir. Pour éviter d'avoir trop de consanguinité, mais je pense que c'est mort. Lui. Lui. Ses parents, ils sont plus là. Mort, ok. Et ses sœurs, ouais, c'est toutes ses sœurs en fait. C'est ça. C'est toutes ses sœurs. Ah, il avait fait qu'un bébé encore, hein. Ça veut dire que c'était pas lui le mâle alpha jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Lui, on a dit qu'on l'envoyait au centre d'échange. Ouais. Bon, c'est pas dramatique, hein. Il va avoir des bons gènes. Enfin, il a des bons gènes. Qu'il est doré. Donc, normalement, si je le regarde là. Population, ouais. Alors. La génétique. Ouais, il a des bons gènes, hein. Attrait 1125, note plus 0. Il y a une blessure. Potentiel génétique. Potentiel génétique, fertilité, longévité. Chance de réussir la conception. Condition actuelle, condition idéale. Consanguinité. La consanguinité peut engendrer des animaux avec des gènes de fertilité et d'immunité moins bons. Peu. Fertilité réduite, infection. Oh mince. Ah ouais, elle est malade elle. Zut. 100%, 100% de consanguinité. Ouais, mais c'est pas trop grave en fait. C'est pas trop grave du coup. Ouais. Finalement, la consanguinité, c'est pas si grave que ça. Vous voyez. Je pensais que c'était pire que ça. Ok. Donc, je suis en train de regarder mon timer parce que je vais essayer de me respecter mes durées d'épisode. Alors, on a pas mal de petits buissons. On va essayer d'en rajouter par là des petits buissons. Hop, aujourd'hui, on fait un peu de déco. Ça, c'est tout petit. Faire un truc plus gros. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on a comme plante ici? Un tamarinier. C'est ce que j'ai là déjà. On peut mettre un peu des trucs comme ça au pied des arbres. Voilà. Un saule pleureur, non. Un bananier. J'en ai mis des bananiers, je crois. Ouais, j'en ai mis quelques-uns là. Ok. On va prendre un espèce de truc comme ça. Non, c'est pas terrible. Ça fait bizarre, hein? Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Là, ça fait un petit buisson comme ça, vous voyez. Hop! Clac! C'était lesquels que j'avais pris juste avant qui étaient pas mal. Ça fait du gros buisson. Du gros buisson bien dégueu. Ok.
pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Hop, pouf. Voilà. Là, ça manque un peu de verdure là au milieu, je trouve. Hop, un petit buisson comme ça. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa. Là, on peut les voir se faire nourrir. On va ajouter ici. Où c'est qu'on va le mettre d'ailleurs? Plus vers le haut, plus vers là. Peut-être vers là, peut-être que là on va agrandir la vitre ici. Là on va faire comme ça. Clac. Et ici on va y mettre hop, une vitre avec un versant teint. De l'autre côté, bim. Comme ça on est tout vitré tout le long là. Ça, on va tout sélectionner. Et on va monter un peu. Voilà. 3 mètres, c'est pas mal, 3 mètres. Ok. Ça évitera qu'il puisse trop grimper plus. Ça me fait surtout des vitres un peu plus grandes ici. Et là, on va pouvoir mettre... voilà. Un truc d'animation. Un truc d'animation. Pourquoi je peux le poser là? Placement irrégulier. Oh! Comment ça, placement irrégulier? Ah, c'est pas assez plat. Oh zut! Sérieux? Ça, il faut que ce soit plat. Oh mince. Bon, on va le mettre par là alors. Tant pis. En même temps, c'est pas mal, là, il y a l'espèce de petite truc en hauteur, là. Ça fera comme si on leur jette des trucs dessus. Hop. Voilà. Oh là, une belle note environnementale, dis donc. On va assigner les bonobos. Aucun formateur. Alors. Paf. Ah, je suis content, là, ça fait une belle zone, je trouve. Ça fait un beau petit truc. Du coup, paf paf paf, zoo, personnel, zone de travail, donc notre zone singe d'Afrique. Modifier la zone de travail. Ah oui, on a tout ça à mettre dedans. Hop, clac, on va mettre ça dedans. Donc là, on a combien? On a un. Ça, c'est quoi ça? C'est un WC. On a des toilettes et on a. Ah oui, il faut faire un mécanicien. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté dedans? Là, il faut qu'on ajoute ça aussi, ouais, effectivement. Ça, on le sortira après de la zone. On fera une autre zone après, un peu par là même. Mais bon, hop. Voilà, donc ici. Paf, donc ça, on ferme. Là, on va avoir besoin. Un certain nombre de mécaniciens. Alors, c'est quoi ça? Alors, on a déjà un formateur. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça va être bon. On a un gars qui nettoie, deux gars qui nettoient, un qui fait la sécurité. Et on n'a pas de mécanicien. Donc, personnel. Agent d'entretien. Donc là, formateur, on en a un, singe d'Afrique. Agent d'entretien, on en a un. On va trier par zone de travail, tiens. Ah ouais, non, c'était nul, c'est nul, c'était pas une bonne idée. On va faire un double tri. C'est dommage. Alors, agent d'entretien, on en a un, deux. Deux, c'est bien, ça suffit. Soigneur. Soigneur, on en a deux. Pour le moment, ça suffit. Ouais, pour le moment, ça devrait suffire. On va en rajouter par contre 1, 2 pour mes deux zones, mes deux autres zones, parce qu'ils ont l'air un peu surchargés, là, vous voyez. Donc, on a dit savane entrée et savane centre. Ok.
Et ceux de la savane entrée, on va les former un peu mieux. Et un au singe, je vais former un peu mieux. Hop. Voilà, mécanicien. Mécanicien, donc il nous en faut un dans les singes d'Afrique. Voilà, agent de sécurité, on en a déjà un, ça suffit. Les vendeurs. Savane entrée, ils ont l'air assez chargés. Donc on va en rajouter à savane entrée. 3. Voilà. Ensuite, on en a un qui est non affecté, qui est où? Qui est déjà à savane entrée au final. Et après j'en ai plein qui sont pas affectés. Savane centre, ça va à peu près, mais on va en remettre un peu aussi, disons. Encore un savane entrée, après 1, 2, 3 savane centre. Et là, du coup, on a dit qu'on en avait combien des trucs de vente ici? 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement un sixième, là, je pense. 7, mais qui est fermé. Donc, on va déjà en mettre 7. Et on verra après. Alors. Les vendeurs. Alors on a dit 1, 2, 4, 5, 6, 7, allez les trois derniers, 8, 9, 10. Et on verra ce que ça donne. Ensuite vétérinaire, on en a un au singe, c'est bon. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Je viens de recruter deux soigneurs, ouais. Ok, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal, pas mal. On va peut-être envoyer des gens en formation. Genre, paf, 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 voilà. En formation. Ensuite, les agents d'entretien, tous ceux qui sont pas encore niveau 2. Hop, voilà. Là, les soigneurs. Boum. Ah, on vient de les recruter ceux-là. Boum. Ok, j'en ai 3 en formation, c'est pas mal. Là, les mécaniciens. Allez, hop, on les envoie en formation. Les agents de sécurité aussi, on en envoie 2 en formation. Les vendeurs. Allez, hop, hop. 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 Pas mal, là on a ce qu'il faut. Hop, on augmentera leur salaire plus tard. Et les vétérinaires, boum, celui-là aussi. Clac, voilà. Ça fait de la formation. On a l'argent. On est bon, on est bien. Ok, donc voilà, je pense qu'on a terminé là ici. Ah non, il faut que je leur mette les optimisations alimentaires à eux là. Donc du coup. On va aller voir dans la zoopédie. Pourquoi est-ce qu'il a pas mis la bouffe sur le truc de bouffe? Et il a mis un tas ici, quoi. Ok. C'est pas grave. Alors, les bonobos, on a dit zoopédie. État des recherches, optimisation d'habitat. Ok. Un paquet cadeau. Une boule à poignée. On va mettre ça, paquet cadeau boule à poignée. Et on n'a pas encore d'optimisation alimentaire, donc on ne sait pas ce qu'on va mettre. Donc, le paquet cadeau. Où est-ce qu'il est? Alors attendez, c'est là. Le paquet cadeau. Qu'on va mettre par ici. Et la boule à poignée. Qu'on va mettre par là. Hop. Voilà. Ok. Donc on a un petit peu d'optimisation. Là on en a moins, tiens, c'est marrant. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on essaiera de faire un enclos ici pour mettre des varirous et des makikata, je crois, de mémoire. Donc pour le moment, ce sera peut-être qu'une seule espèce. Oh, 1300, c'est-à-dire que j'ai vendu un de mes animaux. Ah, on va faire ça. Encore une fois. Je vais exploser mon temps. Alors, là,
11, pas plus. Lui, il est trop cher, c'est ça? On verra. C'est trop cher, c'est ça. En fait, ils sont pourris, ces animaux. Je peux pas les. Si c'est la moyenne, là. Ça m'étonne quand même. Si je vais voir là-bas. Alors, une femelle hippotrague noire. Ah, il est parti, tiens. Non? Une femelle hippotrague noire qui aurait dans les 6 ans, même, allez, 1 an. Voilà. Pourquoi je peux la sectionner? C'est quoi ce bug encore? J'ai cliqué trop vite. Hop, une femelle hippotrague noire, disons celle-ci, qui a 1 an et demi avec 1125. Voilà. Bon, elle a pas de gène machin particulier, hein. Je vais dans le marché des animaux. Je regarde. Hippotrague noire. Alors, hippotrague noire. Là, le filtre. Ok, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Allez, la prochaine fois, on fera cet enclos-là. Allez, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao!